journal. Hier soir a été la plus belle soirée de ma vie. J'ai beau être jeune, belle, faire un métier dont rêvent toutes les filles du monde. Dans ma jeune existence, il y avait un vide. Il me manquait quelque chose. Quoi? Bienvenue dans ma modeste maison. Alors les petits Français, pas trop dépaysés? Je n'arrête pas de penser à Rose. Rose-moi au pays des lions indomptables et tu te prends déjà pour un Camerounais. Hein. J'ai trouvé le paradis sur Terre. Je compte m'installer définitivement à Yaoundé. Rome, c'est vrai ce qu'on dit? Toutes les mannequins sont grandes? Si tu franchis cette porte, tu ne seras plus ma fille. Christopher, je suis venu te chercher. J'ai envie de crier, danser, faire la folle. C'est une conversation privée entre deux frères. Pas moi. Et celui-là, qui c'est? Moi, madame, je suis Christopher, le petit copain de Rose. Enchanté. Oh, voyons, chérie. Avec tout le respect que je vous dois, ce renvoi est injuste. J'ai toujours très bien fait mon travail. Excusez-moi. Et à cause de sa mère, moi, je me suis fait. Non. Sache que ta carrière de mannequin à Yaoundé, c'est terminé. Terminé, tu m'entends? Excusez-moi, on ne se sent pas à notre place dans cette famille. Oui, madame, nous sommes blancs. Et alors? Tu es pressé? Et c'est toi qui es pressé, ta mère! Que tu le veuilles ou pas, tu seras ma femme. Rose! Tu me payeras cet affront. Ma chère, calmez-vous. Ce ne sont pas des choses à dire. Hier soir, quand il est rentré dans le restaurant, ça a été magique. Jusqu'à ce matin, je ne savais pas. Et ce mot, mon cher journal, est un mot magique. Amour.